On descend en bas. Ah oui, vous avez fait le tour de la propriété. Tu attends là. Madame Frabelot, que je suis ravie de retrouver là. Merci.
Monseigneur Gomez, évêque et émérite de Demain. Bienvenue aussi à Monseigneur Fontaine, qui nous rejoint avec moi, Monseigneur Fontaine, évêque de Vannes. Et bien sûr, bienvenue et bien à vous tous, les pèlerins du Trouvray, c'est-à-dire que l'intercession de Paul Aurélien et bien vous accompagne toujours. Monseigneur Fourbès, Monseigneur Fontaine, Mesdames, Messieurs les organisateurs du Trouvraise, Mesdames, Messieurs les marcheurs, pèlerins d'une étape, de plusieurs ou de tous celles, bienvenue à vous tous dans notre cité, au terme de cette septième et ultime étape. Sachez que si vous tous, pèlerins du Trouvraise, vous gardez un souvenir heureux de ce passage en terre léonarde, à nous aussi, qui n'avons pas pu marcher à vos côtés cette semaine, vous laisserez une empreinte. Vous écrivez une page de plus dans la très riche histoire saint-paulitaine, dans cette très riche histoire de la ville de Paul Aurélien. Puisse vos pas marquer notre terre de cette fraternité qui a rayonné entre vous durant cette semaine. Merci d'avoir fait étape chez nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et de présider cette célébration avec Monseigneur Fontaine qui se trouve à ma gauche. Et tous les autres frères, je vous accueille au nom du Christ qui nous rassemble et je vous apporte le salut affectueux de Monseigneur le Père qui n'a pu être ici ce soir et que je représente donc parmi vous. Saint-Malo, Saint-Samson, Saint-Paterne,
et Saint-Corentin. Le Troubrez ressuscité à 15 ans, j'ai décidé dès à présent de passer le relais à la tête de cette belle et grande aventure. Je remets les clés du Troubrez à votre nouvelle présidente, Marie-Alix de Pingilly, Troubrezienne de la première heure, animatrice infatigable de la Fraternité Saint-Paterne. Thank you.